Salut les passionnés, salut les abonnés. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo après ces 2 mois de confinement, donc ça fait carrément plaisir. Donc ça va pas être évident, la pêche annonce pas facile. Donc les poissons avaient commencé de frayer la semaine dernière. Il y avait eu une bonne période de froid, ça avait tout stoppé. Et là je viens d'arriver sur le poste à l'instant, elle recommence à frayer et le vent du nord s'est levé malheureusement, comme on l'entend dans la vidéo. Et ça a vraiment tout stoppé. Donc on va voir ce que ça donne. En plus de ça, le préfet a tout fermé autour de chez moi. Donc il n'y a que le fleuve Loire qui est ouvert. Donc bien évidemment, il y a un afflux de pêcheurs. Même sur les zones pas pêchées ou vraiment peu pêchées d'habitude, il y a beaucoup de monde. Donc la pression de pêche est importante. Donc on va essayer de faire du poisson. À 5h30, donc un bonhomme de neige, un scopex squid en 24 mm. Donc on voit que c'est un poisson qui vient juste de sortie de fry, hein, beaucoup abîmé. Donc j'ai mis l'antiseptique, puis on va faire 2-3 clichés, puis on va la remettre à l'eau. La jolie petite commune de ce matin, donc ça fait carrément plaisir, surtout dans ces conditions de pêche avec des poissons qui n'ont pas fini de frayer, une pression de pêche carrément importante, donc ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, j'ai quitté la team Carp Fishing for Life, donc pour des raisons évidentes, hein, le partage à distance est carrément compliqué, on pouvait pas se voir avec les autres membres, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, voilà. Et peu de temps après, j'ai eu une opportunité avec le magasin Pêche No Kill, pour faire Help Seller Nash. Donc j'ai pas beaucoup hésité, c'est à 10 km de chez moi. Donc le partage pourra se faire avec grand plaisir avec tous les membres de la team. Je vais essayer de m'habituer avec les produits Nash pour vous faire parvenir mes résultats de pêche avec. Et c'est une très large gamme de produits, donc on va s'y habituer tout doucement en espérant vous montrer beaux résultats avec. Voilà, on se retrouve avec cette petite torpille de Loire. Donc toujours à scopex squid en bonhomme de neige. Donc elle était estanquée dans les algues, il a fallu tirer sur la tête d'arraché, puis c'était la surprise. Donc on va faire 2-3 petits clichés, puis on va aller l'arracher.